ok, N2S pour petit délire. Hey, continuez comme ça les mecs, ça bouge pas, ça mort. Ils sont là, Lyon, ça bouge ils pas, c'est lourd. Attends, avec mes pélos et mes pélotes. Si t'étais une réplique de entre Tanger et Amsterdam. Ouais, un truc comme ça, tu vois, Tanger, Zagora, j'aime bien le désert, j'aime bien aller descendre chez moi dans le désert, petit village à côté, mais Marrakech, c'est, vas-y, c'est touriste. Ouais, c'est... Les gens, ils connaissent Marrakech, mais après, tu sais, il y a un côté Marrakech, tu vois, ouais. Faut sortir un petit peu de Marrakech. Moi, quand je vais à Marrakech, je reste pas dans Marrakech, je vais en dehors de Marrakech, je vais dans les petits villages qui est à côté, Ourika, les cascades et tout ça, tout. Je reste pas dans Marrakech, c'est la place... Là où il y a tout le monde, un jus d'orange, la vieille bouffe, les gens ils croient qu'ils mangent quelque chose de fou. Alors ouais. Non, tu sais, faut aller dans les villages, à 20 km de Marrakech, t'as les vrais tagines dans la vapeur, t'as c'est les vrais villages, il y a les cascades, il y a un barrage, tu sais, il y a des trucs, il y a des coins. Tu sais, après, moi je suis un blédard, normal, je connais. Blédard. T'étais qu'à 2000 ou MacGyver? Dans mon ordinateur, la dernière fois j'ai mon fils, et puis je vais regarder. Tu sais, j'ai pas pu, j'ai coupé direct. Ouais. Tu vois, il y a une sein, il y a une fesse, ouais. Les meufs elles étaient lourdes, tout ça. Je me suis dit, mais quand même, t'as ma génération 78, ils nous ont dosé de dessins animés complètement fous les uns les autres. Tu vois, Nicky Larson, Cobra, Ken le survivant, de la violence, du sexe, tout ça, tout. Et il a fallu que Ségolène Royal arrive pour nous enlever tout ça. Normal, on est fous dans ma génération. Ok. T'es plutôt temps mort de Booba ou le lunatique? J'aime bien Mourinho, il transforme ses équipes en des machines de guerre. Ses joueurs, ils pourraient prendre un chaton que le transformer en lionceau, tu vois. Tu sais, tu lui donnes Gourcuff là aujourd'hui, tu vois comment elle est, demain ça pourrait devenir quelqu'un de. Ça pourrait devenir un guerrier, tu vois. Ouais. C'est cette faculté qu'il a de tirer le meilleur de ses hommes. C'est ça que j'apprécie en lui. Après Pep Guardiola, hein, t'as vu, hein, je pense que c'est pas. Je crache pas sur tout ce qu'il a fait, tu vois, mais je pense qu'on verra vraiment ce qu'il vaut quand il... Pas, tu sais, c'est la Coupe d'Afrique, franchement, c'est une boucherie, c'est un massacre. Ouais, les mecs, ils évitent les blessures. Ouais, ouais. Tu vois, c'est niveau technique, ça s'améliorait quand même. Il y a moins de tacles à la gorge. Après, c'est les à côté. C'est la canne. Moi, pour moi, t'as vu, c'est la Coupe du Monde, tu vois. Ouais. Le Maroc, ça fait depuis 98, ils n'ont pas été en Coupe du Monde. Donc, pour moi, la canne, c'est rien, on se m'en fout complètement, okay. Tu vois, c'est en Coupe du Monde qu'il faut que je vais voir mon blé. D'accord.
Ni pute ni soumise. Petit délire, mauvais délire. Frère, moi je pars du principe qu'il faut respecter les femmes, tu vois, mais ces genres de meufs, c'est des opportunistes. Si tu remarques bien, toutes les présidentes de l'association Ni pute ni soumise, elles finissent au PS. Soit elles finissent PS, soit au Conseil européen. Ouais. On dirait quelque part c'est une filiale. Tu vois, c'est une filiale. Et moi je suis pour le respect des femmes, t'as vu, parce que c'est important, tu vois, je l'ai dit dans mon dernier album. Paradis, les sous talons de nos mères. Mais après, ça, c'est même pas une question pour faire le rappeur ou je sais pas quoi, c'est une question de principe d'homme. Mais le truc, les qui soumises, tu vois, malheureusement, là, c'est les meufs qui se sont récupérées. Enfin, je pense qu'au début, l'intention a été bonne, mais après, c'est facile. En ce moment, les violences urbaines de plus en plus sanglantes. Avant, avoir un fusil à pompe dans une cité, c'était un truc de ouf, frère. C'était vraiment un truc de fou. Il y en avait un, il le sortait quand il avait en bruit. Ah, il a sorti une pompe, c'était vraiment un truc de ouf. Là maintenant, c'est devenu banal, tu vois. Des petits, ils ont des usines, des calages, ils ont là, ils montent sur un magasin de bricolage à la calage. Ça montre le truc, quoi, tu vois. Bah voilà, t'as vu, on arrive, tu vois, ça tire sur les condés. Moi, tu vois, la police, je pense qu'il y a des cons chez les keufs, comme il y a des gens. Je pense que s'il n'y aura pas de police, nos petites sœurs et nos darnes, elles pourraient même plus sortir. Tu vois. Donc faut de la police, tu vois. Mais après, tu sais, les petits ils sont là, t'as vu, bah, avant tu pouvais mettre un jean 500, tu passes crème, maintenant si t'as pas de jean diesel, t'es personne. Si t'as à 250 euros, t'as pas la sacoche Louis Vuitton, personne. T'as pas la petite meuf, elle dit je vais aller au paradis du fruit. Non, mais c'est vrai, frère, avant t'avais 100 francs, tu pouvais faire quelque chose. 200 francs, tu. Hein, là y'a rien, frère. Et l'époque elle est difficile, tu vois. J'aime pas parler comme ça, tu vois, mais quand les petits ils vont, il n'y a plus d'exemple, il n'y a plus de. Ouais, ils sont un peu tous paumés, quoi. Tu vois, ouais. tu les petits maintenant ils vont à l'école, ils savent très bien qu'il n'y a pas. Ouais. Tout ce qu'on t'apprend à l'école, au final tu ne trouveras pas. Si t'es pas. Si t'as pas une cuillère en or dans le cul, tu vas faire quoi, tu vois. Enfin, j'ai mon petit frère, il a fait bac plus 10. À la fin, on lui a dit, ouais, va ranger des rayons, tu vois. Mmh. Il a dû s'exiler, tu vois. Et c'est beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de désespoir, beaucoup de trucs. Mais après, tu vois, je pense que. Faut relativiser un peu, tu vois, parce que j'ai une douleur un peu quand même. Tu vois, un peu quand même. Tu vois, on est pas. Je viens du Maroc. Ouais, par rapport à d'autres pays. La favela, ouais. Je viens d'une favela, c'est moi j'habite au Maroc. J'habite pas à Marrakech, je viens d'une favela, j'ai mes cousins, j'ai mes trucs là-bas. Je sais que c'est plus dur, pire, tu vois. C'est des pays, y a pas de RSA, y a pas de trucs. Là-bas, c'est soit t'as du bif, tu vois, c'est t'as rien, tu vois. Le Maroc, c'est comme l'Amérique, c'est les mêmes systèmes que l'Amérique, toute l'Afrique d'ailleurs, tu vois. Ouais. Toute l'Afrique, tu sais, c'est le système, c'est comme l'Amérique. T'as pas de sécurité, voilà, machin, t'as pas de trucs, t'as pas de ça, tout, ouais. T'es là, tu connais comment ça se passe, frère. T'as des étudiants, ils vendent des cigarettes au détail pour. Voilà. Ouais, j'ai fait mon justicier, mais j'écris que des chansons, je changerai pas la face du monde, moi, les mecs. Le tribute de Booba, merci pour le DVD. Si je le connais, c'est bien. Mais après, t'as vu, je compatis pour sa famille, tu vois. Moi, j'ai ses petits cousins dans la cité. Okay. C'est vrai, petits cousins, tu vois. D'accord. Après, je me vois pas faire un rest in peace DJ Mehdi parce que, tu vois, puisque c'est fait hip hop de dire rest in peace. Okay. Je le connaîtrais, ouais, vraiment. Ça aurait été sincère. Toujours de l'armée de sang. Un ours polaire en Afrique, c'est la fonte des glaces, l'industrie du disque, je rappe le fric. Oh, XFM, fleurit. Pourquoi tous tes derniers clips, enfin, même depuis un petit moment, tu fais qu'avec Chris? Tu tournes qu'avec lui en exclusivité? Non, pas qu'avec lui, regarde, j'ai fait le clip Force et Honneur, je l'ai fait avec une équipe de Marseille, tous des cas. Ouais, c'est ce qu'il fait. Non, c'est pas l'équipe. Enfin, ils tournent beaucoup avec. Ouais, ils font des clips à Marseille, à Yam, tout ça, tout. D'ailleurs, t'as vu, s'il faut. Je suis prêt à voir à l'extérieur, mais après, il y a des sons. T'as une vision. T'as une vision du son, tu veux l'emmener quelque part. Bah, je pense que Chris, il a une petite vision rap un peu comme que j'aime à peu près, tu vois. Il a une vision du clip. Après, je pense qu'il y en a plein des bons hein, dans le clip. Il y a Fifou, derrière, il a fait des clips, derrière, il a fait Maximal, dernièrement. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais sinon, je suis pas réservé qu'avec Chris. Hein, ouais, donc le mec, il comprend ton délire. Demain, après, demain, moi, je peux faire des clips. Si dans mon prochain album, je te demanderais de venir, est-ce que tu accepterais?
Ouais, c'est flattant qu'elle me fasse cette invitation, tu vois. Je sais pas quoi répondre, je te dis sincèrement. Tu sais, je suis sur le fil du rasoir en ce moment. Tu vois, je suis vraiment sur le fil du rasoir. D'accord. Je sais pas quelle est la suite que je vais donner à tout ça, à des choses. On verra. Ok, ok. Ouais, mais tu comptes continuer. Bonne question. Franchement, là, à l'heure actuelle des choses, je dis franchement, j'ai vraiment. Hier, j'ai annoncé un truc, tu vois. Pour de vrai, tu vois, j'ai envie d'arrêter de rapper là. Tu vois, j'ai vraiment envie de tourner une page, ouais. Ça, tu vois, je suis. Mais tu veux rester quand même dedans, sans forcément rapper ou tu veux. Franchement, je ne vais pas rester dedans, tu vois. Il y a des trucs que je vais terminer, il y a des trucs que j'ai commencé que je vais terminer, tu vois. J'ai commencé un truc, j'ai commencé un projet avec Islem, ma petite Rose qui est dans mon quartier, j'ai commencé quelque chose avec elle. Moi, quand je commence quelque chose, j'aime bien les finir, tu vois. Je commence à une chose, je veux mettre un point final, tu vois. Je pense qu'en ce qui concerne Nesville, ouais, j'ai été au bout des choses, j'ai fait cash, j'ai fait un album en groupe, j'ai fait une mixtape, j'ai fait 4 albums solo. J'ai pas peur de dire que ouais, je peux mettre un point final à ça, tu vois. Là, tu penses avoir fait le tour? Je pense que j'ai fait le tour, tu vois, et là, je vais me concentrer, mes dernières énergies, ma dernière force pour mettre un point final au projet qui, de Islem qui arrive, parce que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur.